L'enfant, depuis la France, depuis les puits, depuis Bengué. Alors les gars, les gosses se plaignent de nous. Pourquoi? On t'a rien fait, ma petite. C'est toi qui es parti prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi. Quand tu comprends pas la chose, tu choisis n'importe quoi pour faire tes choses. C'est ça l'affaire, ma petite. Il faut comprendre la chose. Un homme, c'est comme un téléphone. Un téléphone, quand tu n'as pas trop de blé. Voilà. Le gars, il se défend un peu. C'est ce qu'on appelle un phoenix ou bien un techno. Ça fait un peu l'affaire. Et si tu comprends, il va pas te prendre pour t'envoyer un croissant tous les jours, mais tu peux aller dans les burgers. Mais de temps en temps, il peut le faire. Voilà. Ça fait tout un phoenix. Ça fait tout techno. De temps en temps, tu peux déjà des applications. Il a un peu de Bluetooth. Il a un peu de Wi-Fi. Il peut se connecter. Fais ce que tu veux. De temps en temps, il peut bugger. Si ça bug, il peut te gifler. il peut te gifler. Tu le démarres le ken. Ça va. Voilà, c'est un infinis ou un techno, ça bat le gars, il se défend, il te plaît de quoi. Maintenant, si tu n'as rien, c'est là que tu t'en prends les gombolos. Un gombolo, c'est quoi? C'est un CMC35 ou bien un Nokia 3310, ça dit que là, j'ai dans Goumé. Ça va pas, c'est un truc pour te défendre, il n'y a pas Bluetooth, il n'y a pas Wi-Fi. Donc tu prends lequel pour te défendre, ça va de temps en temps, bon, voilà quoi, c'est un ami. Tu vois, là, tu étais dans ton goumé, tu as eu ton gars, il était là pour te consoler, tout en temps, il te grait. Lui, il va même pas t'envoyer pour aimer les gars. C'est un gars, il est là. Tu l'aimes pas vraiment parce que c'est l'amour. Le gars, il est fond de toi parce qu'il sait que ses capacités, toutes ses trucs sont dépassées. Voilà. Il n'y a pas Bluetooth, il n'y a pas Wi-Fi. Tu ne peux pas te connecter à lui et faire toutes les quêtes que tu veux faire. Il sait ça. Le moment, c'est ça. Nous tous, on sait ça. Mais ça est là au moment opportun. Ça peut te défendre un peu. Tu peux appeler, tu peux envoyer quelques SMS. Lui, il ne va pas bugger. Il ne va pas bugger parce qu'il connaît sa place. Il cherche place, mais il veut que tu l'aimes. Mais c'est ton ami, il est là parce que bon, émotionnellement ça va pas, donc de toi tu as profité pour tes grès. Il sait lui-même que tu n'as pas resté à lui, il sait que tu avais pris un autre téléphone. Il sait pas la technologie a avancé, il sait que tu avais pris un autre téléphone. Mais il est fin, il veut rester à toi toute sa vie. Donc il se défend. Il sait, parce qu'il sait même ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Mais c'est toi qui vas-tu prendre ça parce que non, tu n'as pas les moyens pour l'instant. Ce qui est mauvais, c'est que le diobolo sait tellement qu'il est diobolo. Il sait très bien que quand le nouveau téléphone sera découvert, ils vont le mettre à côté. Ils vont le mettre à côté. Tu vois même pas le mal du diobolo. On dirait oublier que les mots étaient en diobolo. Mais si vous êtes là, il ne peut pas fatiguer la life du nouveau téléphone. Il peut gérer. Mais dès que la mine a pu, c'est le nouveau téléphone, le diobolo. Aïe, aïe. Et les go, elles sont mauvaises, elles sont très mauvaises. C'est-à-dire que même quand la Diomolo là, dans son Diomolo là, non, le jeu paye un nouveau téléphone. Diomolo, elle jette pas. Elle met ça à côté. On sait jamais, ça peut la dépanner. Si elle perd son téléphone, elle répond le Diomolo au calme. Au calme. Mais ça fait les SMS, les appels entrant et sortant. Voilà, il y a foi. Maintenant, Samsung et puis iPhone. Tu vois, non, ça c'est le téléphone performant. Tout le monde va avoir ça. C'est le gars qui se défend. Il a plus que se défendre. Il a un bon boulot. Il a l'âge. Tu peux d'abord lui te promener. Il a connexion Wi-Fi. Il a Bluetooth. Ça a été écouté. Ça a été écouté. Mais comme tu as ça et que tu es trop contente, tu ne te rends pas compte que le truc est cher. Le truc est cher. Un iPhone, 700 euros. Souvent, ça va être à 1000 euros. Ça va être à 1000 euros. Tu vois, c'est comme tu ne t'en rends pas compte, tu ne prends pas bien soin de ça. Et quand tu ne peux pas bien soigner ça, ça peut te perdre dans le taxi. Quelqu'un veut voler ton gars dans le taxi. Ça peut te perdre dans la boîte de nuit ou dans ma carte. Ça peut te perdre, on peut voler ton truc. C'est là que tu te rends compte que, ah, malgré tout ce que tu as créé comme problème, il y a du genre, quand tu as mal un peu, tu donnes apostor. Père, lui, il a besoin d'apostor. Et c'est ça que tu te plaignais. Non, pourquoi tout ton là, il y a apostor. C'est apostor là pour rectifier le Ken. Quand le Ken bug, il faut aller au apostor. Quand le truc est bloqué, il faut aller au apostor. Puis tu dois payer. Ça y est, c'est cher. Il faut entretenir ma petite. Il faut entretenir le Ken. Quand tu as un bon Ken, il faut entretenir. Et comme tu n'entretiens pas le Ken, ça te faisait mal. Tu ne te rends pas compte de sa valeur. Donc, ils ont volé son Ken. Là, tu te plains que, ah, les teasers. Avec les teasers, non. L'enfant. Écoute ma petite, tu vas pas prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi. Donc tu as pris ton téléphone, tu es parti. Maintenant qu'ils ont volé ton téléphone, qu'est-ce que tu as fait? Tu as retourné le gombolo. Et c'est ça. Faut pas prendre n'importe quoi pour faire n'importe quoi avec. Et puis après tu viens te plaindre chez nous. Voilà. Entre temps, par conséquent, femme, c'est comme les réseaux. C'est comme les réseaux. Tu as le téléphone, maintenant il faut te connecter. Il faut aller payer les réseaux. Alors, pour nous les garçons, on est au courant que tu peux être soit en prépayé ou bien tu peux faire abonnement. Ça veut dire que quoi? Et en général, nous on sait que prépayé nous arrange. Prépayé là, c'est sans engagement.
sans engagement, tu vas préparer jusqu'à le jour où tu vois que le réseau est bon, que ça te plaît vraiment, que tu es resté longtemps sur ce réseau-là, mets-toi pas abonnement. Voilà. Maintenant, c'est prépayé. Tu payes quelques minutes pour mettre dedans. Quand tu payes pour un certain nombre de temps, tu payes une certaine somme, ça donne un certain nombre de minutes, une certaine somme d'internet. Donc, tu vois que ta go parle beaucoup. Tu peux payer illimix. On appelle ça illimix, c'est pour deux jours. Tu ne peux pas prendre des tu parles, ça peut bloquer. Ça peut couper les quêtes. Non, tu parles à la go pendant un jour. Et pas avec ta tête qu'à vendredi, tu n'es pas obligé de lui parler tous les jours. Tu n'es pas obligé de lui parler tous les jours. La go, elle parle trop. Tu attends qu'à vendredi prochain. Et puis, tu la rappelles. C'est comme la connexion. Tu utilises la connexion. Comme c'est d'avoir des gigas que tu ne maîtrises pas, lesquels c'est pas gratuit. Tu utilises un peu. Et puis bon, quand tu es dehors, tu coupes la connexion, quoi. Parce qu'il y a des téléchargements bizarres que tu n'as pas envie. Voilà. Et puis que ça te plaît, tu peux changer des réseaux. Tu peux avoir deux, trois téléphones. Changer des réseaux. Tu en as un prépayé ici, un autre prépayé là-bas, un autre prépayé ici. Tu as trois prépayés, puis tu peux mettre MTN au rejet. Et move en même temps. Tu comprends lesquels? Non, le truc est facile. Tu es en prépayé. Le jour où tu fais abonnement, tu n'as pas abonnement. Abonnement, c'est engagement. Voilà. Et quand tu t'y t'engages, si tu fais abonnement avant de faire prépayer, tu peux mourir dedans. Parce que maintenant, tu es engagé là. Si tu veux couper, c'est pour 2 ans ou 3 ans. Si tu veux couper, tu as payé les frais. C'est beaucoup, mon frère. C'est beaucoup. Tu as payé les frais, là, les affaires des dots, tout ça. Tu as payé. Et d'ailleurs, même l'engagement, c'est pas trop bon. Hein. L'engagement, c'est pas trop bon. Mais le jour où tu t'engages, le jour où tu fais abonnement, c'est là que les autres réseaux sortent les dangereux forfaits. Non, on avait un nouveau forfait. Il a pour les plans où on dit 300%. Yeah! Non! Donc, faut pas te presser pour t'abonner. Faut attendre un peu. Reste préparé pendant longtemps. Reste préparé d'abord. Prépare le truc. Paye. C'est pas grave. Prépare, là, tu choisis tes modalités de paiement. C'est ça, t'es pas engagé. Donc, va tout engager. Et puis, souvent, les gens sont tellement engagés. Ils ont souscrit pour toutes les familles. Toi, téléphone, et tout. Maintenant, pour te désengager, tes problèmes. C'est ça le truc. Donc, il faut rester prépayé jusqu'à ce que tu t'engages. Et même quand tu n'as pas abonnement, ça ne veut pas dire que c'est rien ne te permet d'aller prendre un prépayé à côté pour faire les appels longue distance. Et quoi, il faut rester en connexion avec ta famille. Il faut prendre un appel longue distance. Il faut prendre un prépayé à côté que tu vas recharger pour appel longue distance. Tout en temps, tu appelles la vie au pays, tu appelles quelques camarades, les connaissances pour garder les rapports. Tu vois, non? C'est ça, ma petite. Donc, il faut comprendre le système pour ne pas le prendre n'importe qui, pour faire n'importe quoi. Vous plaignez à peine de nous pour rien. Ma petite, l'homme, c'est comme téléphone. Femme, c'est comme réseau. Faut te connecter, ma petite. Le grand-mère depuis la fosse. L'enfant. Allez, pizza.